Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est jeudi 23 décembre et il est 17h20. Si je vous prends aussi tard, c'est parce que les filles viennent de partir chez les grands-parents et on va aller commencer à faire quelques petites courses parce qu'on reçoit demain à la maison et qu'on n'a encore rien préparé du tout. Les cadeaux ne sont même pas emballés, vraiment rien n'est fait. Il faut encore que je finisse tout le ménage, qu'il faut qu'on fasse les courses, que je prévoie ce qu'on va manger. Vraiment, tout est de dernière minute, mais ça va aller. Dites-moi si vous faites partie de la team à l'avance ou comme moi last minute, parce que franchement je crois même qu'il nous manque quelques cadeaux. C'est n'importe quoi cette année. Bref, du coup je vous emmène avec nous, on va aller faire les courses, je vous ferai sûrement un retour de course en rentrant. On va peut-être pas tout prendre aujourd'hui parce que déjà il est 17h30, le temps qu'on arrive il sera à peu près 18h et il risque de plus y avoir grand chose. En tout cas on va prendre tout ce qu'on peut prendre et on y retournera demain très tôt je pense. Enfin, on verra en fonction du travail de Romain. Bref, je vous emmène avec nous dans cette course de Noël. On vient de rentrer des courses, il est quelle heure, s'il te plaît? Il est 18h45, on vient de rentrer des courses, du coup je vais tout vous montrer. Il manque, j'ai un poil sur mon nez, il manque quelques petits trucs, mais on a la base, donc ça c'est cool, au moins ça c'est fait. Pourquoi j'entends des enfants? Pas que tu en as des enfants. Les gens ont pas le droit d'avoir des enfants. Interdit. Un verre d'eau. Un verre d'eau! Viens avec moi, ça sera mieux non, sur la vignette. La police! Un verre d'eau! Il va nous assassiner! Bah viens dire bonjour. Arrête! J'ai pas montré, je vais tout montrer, tu montres. Bah viens dire que t'as pris des chips. Déjà, quand on est poli, on dit bonjour. Bonjour, je suis poli. Je me suis acheté des chips. Je vais les manger. Ah bah, c'est Romain qui va faire le retour de course. Retour de course! Je vais manger mes chips. Merci! Voilà, simple et efficace. Fait plus de bruit. Je vais vous montrer tout de suite T'arrêtes? Ouais. Je vais vous montrer tout de suite Picard vu que c'est surgelé. Mais on a fait Picard, Lidl et Auchan. Donc Picard c'était surtout pour les desserts et les apéritifs. On a pris, on est 8 je crois en tout. Et on a essayé de pas prendre trop de trucs pour pas gaspiller non plus. Parce qu'on sait qu'on mange jamais tout. Mais bon bref, je suis sûre qu'on a quand même trop pris. Là on a 20 mini croque-monsieur. On a déjà goûté je crois ceux-là et ils sont bons. Il y a du gratin au-dessus. Et des bâtonnets panés à la mozzarella. Ensuite on a pris des petits desserts. Donc c'est tout chocolat. Il y avait une bûche glacée, la boîte à musique de Noël. Et dedans c'est trop mignon, on dirait du Snickers, ça a l'air trop bon. Il y a des petits... Il veut pas vous montrer, il y a des petits bonhommes dessus et je suis en train de tout casser. Ah, bah voilà. Oh non, une pétale. Je te la remets. Un croquant au chocolat, on va sûrement peut-être même pas le sortir demain, mais moi j'en avais trop envie. C'est praliné en bas, je trouve que c'est les meilleurs gâteaux. Ah voilà, c'est mon gâteau d'anniversaire. J'ai même pas eu de gâteau d'anniversaire. Oh, t'as pas eu de gâteau d'anniversaire. Bah ouais. Du coup, ça s'annule. Ça fait 23 ans. Oui, trop bon ça. Les trucs 3 chocolats avec du praliné au fond, c'est les meilleurs gâteaux. Pour finir avec Picard, et après je vais ranger tout ça, on a pris des Saint-Jacques comme ceci. Et c'est tout chez Picard. Benten Martinus. Oui. Et maintenant pour Auchan et Lidl, je vous montre les deux parce qu'en vrai chez Lidl on a juste pris des pommes de terre. Et c'est quand même un peu mieux avec la raclette. Donc ensuite on a pris de quoi faire de la raclette et un peu de tout. Les véganes etc ne vont pas être contents, mais on a pris du coup du foie gras, des petits dés de fromage etc, des apéris frais, apéris vrais, comme ça les trois sortes, du fromage à raclette et après je vous détaille pas tout mais de la charcuterie et du saumon fumé. Ensuite on a pris des chips et moi je vais les manger tout de suite. Des petits toasts briochés et nature. En vrai ça c'est ce qu'on mange le plus, tous les petits toasts comme ça à l'apéritif et après on a plus faim. Des Kinder pour les enfants. Des chocobons puisque Romain a dit que Jade voulait ça comme dessert. Encore du fromage à raclette. Ensuite on a pris des noix de cajou, ça j'aime trop. Et des petites boules au fromage et à la tomate. Dites-moi si vous faites des repas genre vraiment élaborés avec entrée, plat, dessert et vous recherchez ou si c'est un peu comme nous la facilité mais quand même très très bon. Mais ouais, dites-moi si c'est plus sophistiqué ou plus à la bonne franquette. Plus personne dit ça. En tout cas, toujours pour les toasts, on a pris du tarama, du truc au surimi et au thon, des œufs de lompe et des petites confitures comme ça pour aller avec le foie gras. Pour finir, on a pris quelques boissons et c'est tout. Je préparerai tout ça avec vous demain. Je vais pas le faire ce soir parce que ce soir je vais emballer les cadeaux, etc. Parce que c'est pas encore fait comme je vous l'ai dit. Et maintenant, je vais ranger. Le bruit stressant derrière, c'est le tabouret de la cuisine. Il m'insupporte. Il fait du bruit toutes les 2 secondes. Bon, maintenant on va s'attaquer du coup aux cadeaux et on va voir si on a assez de papier cadeau parce qu'on en a pas racheté. Like
Ouais, il est drôle. C'était ça le cadeau introuvable, enfin, qui avait plus du tout en magasin et nulle part. On n'a pas nulle part vu qu'on l'a trouvé. En magasin, non. Sur internet, non. On a eu de la chance. Voilà, donc c'est pas nulle part. Demain, du coup, le 24, il est 8h30. Je me suis réveillée à 7h ce matin. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Je crois que je me suis endormie vers 2h30, un truc comme ça. Donc, je risque d'être fatiguée après manger le midi. Parfait, mon sommeil a choisi le bon jour. Je brille de mille feux, mais j'ai essayé une nouvelle poudre et en fait, il y avait des nacres dedans. J'ai pas vu. Du coup, j'en ai mis un peu partout. Et vous vous doutez bien que j'avais la flemme de l'enlever. Enfin, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer ici. Ensuite, le couloir. Et après il faudra encore aller faire quelques courses et préparer tout ce qui est nourriture, etc. D'ailleurs il faut aussi que j'aille chercher un colis d'eux-mêmes, puisque ce sont les cadeaux de Noël de Romain. On est le 24 et je suis toujours pas allée les chercher, j'espère que c'est ouvert d'ailleurs. En tout cas voilà les amis, je m'occupe de ménage, ensuite je vais tout de suite au point relais parce que sinon je sais que je vais oublier et ce sera fermé quand je vais y penser. Enfin bref, on va bien courir partout aujourd'hui. C'est parti. Je viens de terminer tout le ménage, etc. Donc ça fait du bien. Je vous ai juste pas filmé dans les chambres, etc. Parce qu'au final, il avait tout été rangé en fait. J'ai juste passé l'aspirateur et passé les poussières et tout. Donc ça c'est fait. Il fait toujours aussi sombre dans la maison. C'est génial. En tout cas là, je vais faire à manger rapidement pour ce midi. Et après, je préparerai tout ce qui est toast et tout. Et on ira aussi faire des dernières courses. Romain m'a beaucoup arrangé parce que du coup, il est allé chercher le colis en poids relais. Donc ça me fait ça en moins à faire. Et voilà. Il est 17h37, on vient de rentrer des petites courses là. J'ai bien évidemment fait une petite sieste après vous avoir parlé. On a juste mangé des nouilles et après on s'est posé parce que on était tous les deux fatigués. Moi, t'as dormi pas ? Donc, ouais, 17h40 en gros et là, on leur a dit 19h. Donc on va préparer tout. On vient d'aller acheter une petite nappe. Enfin, une petite. Un rouleau comme ça là. Histoire de dire qu'on a fait un petit peu de décoration. Et après on va préparer tous les petits toasts, etc. On a juste bougé un petit peu. Je sais pas si vous verrez bien là parce que c'est hyper sombre. Je sais pas pourquoi c'est aussi sombre. Tu veux pas allumer la lumière au-dessus de toi s'il te plaît? Bon, bah là c'est la table à manger et là-bas c'est le meuble qui est dans l'entrée. On l'a collé comme ça pour mettre l'appareil à raclette. Comme ça on mettra les trucs là, on mettra les boissons. La lumière. On mettra les boissons sur les meubles, etc. Je vais pas trop traîner à vous parler et on va préparer tout de suite. Je me suis habillée comme hier parce qu'on vient vite fait d'aller faire des courses et avant ça je m'étais pas habillée. Bref, je fais ça et après on va se préparer quand même un minimum. Et allez malou. Pire organisation, je crois. Ça passe. Keeps on calling and
Il est 18h30, je vais aller me préparer tranquillement, il devrait arriver dans 30 minutes à peu près. Et je vais vous laisser ici, comme ça on va profiter tranquillement et je vais pouvoir ranger la lampe et surtout le trépied. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé de belles fêtes pour ceux qui les ont fêtées et tout que... Et sinon que vous avez passé tout simplement un bon week-end, une bonne année, un bel hiver tout simplement. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog et on vous fait des très très gros bisous. Bisous.